Qu'est-ce que c'est que ça? Modifier le titre de la diffusion continue, chat. Chat activé. Oh, c'est énorme! Il y a le chat qui apparaît à l'écran maintenant. Parce que je me suis remis. Enfin. Les mises à jour, en fait. Comment on appelle ça? Insider. N'était pas. Enfin, n'était pas bien activé. Donc là, voilà, ça s'est mis à jour, je pense. Et maintenant, on a le chat sur Mixer. C'est nouveau, ça. Est-ce que ça apparaît dans la vidéo? Ou est-ce que c'est que moi qui le vois? C'est que moi qui le vois, apparemment. Et je me suis trompé, je me suis trompé de partie. C'est merveilleux, je me suis trompé de partie. Comment on fait? Retry, or load. Load the game. C'est bien, c'est cool. En plus, c'est transparent. Bon, c'est pas complètement transparent non plus. Alors, on était avec. Ashley. Je sais pas pourquoi j'avais envie de l'appeler Rebecca. Elle a une tête à s'appeler Rebecca, madame. Et on était avec le flingue. J'ai cru que c'était un fusil, putain. On avait un flingue aussi gros. On se croirait dans le métro. Comment on fait? Ok. Il n'y avait pas une touche pour se retourner brusquement. Aziza. 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 Ok, donc on venait d'arriver ici, on venait de sauvegarder, on n'avait rien fait d'autre. Alors, est-ce qu'il y a des portes? On était on était bien dans l'inventaire, on est très très bien même. On est trop bien même. Putain, mais c'est. C'est la débandade. Non, 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 non. Ça, c'est une porte. On est d'accord. Mais what? Le mec. Il était à la dernière salle tout à l'heure et il est encore ici. Très utile. Welcome. Welcome. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Oh. D'accord. Ah. D'accord. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais m'ouvrir les veines. J'ai cru qu'on avait tout perdu au niveau de l'inventaire. Mais non, apparemment c'est un jeu. C'est un jeu. Ok. Ok. Il y a un jeu apparemment derrière la porte. Ah, c'est ça. Putain, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Et ça, c'est les gens tués. Pourquoi il y a des moucherons? Ça sert à quoi? J'ai pas trop compris le principe. Principe des moucherons. Mais genre.
Mais re-genre. Ah, c'est pas facile, hein. Je croirais dans Zelda. Bon, avec l'arme à feu en moins, quand même. Enfin, l'arme à feu en plus, plutôt. Et l'épée en moins. Aïe, ça fait pas les français. C'est horrible. 24 sur 25. Si on fait, on recommence. On a compris comment ça marche. Peut-être. C'est à cause de l'autre et de sa tête. Putain, mais toi aussi, là. Genre, on n'avait pas eu les deux, hein. Je sais pas s'il faut les avoir en fait. Vite, reload. Ils étaient où? Là-bas. Bimous. Bimos. Bimolis. Bomis. Cool. On les a? Bon, on a un petit peu moins de... points, je pense. Mais c'est pas grave. Bon bah voilà. Chulio. J'ai eu des bottle cap. J'ai eu des bottle cap. Des bottle cap. Ça sert à quoi, ça? J'ai eu des... Mais ça... À quoi ça sert, ce truc? Mais non. Mais non. Mais non. Sans deck. Stand back. Et il y a même du son en plus. C'est un truc de fou, dis donc. Ils avaient les moyens à l'époque, hein. Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Mais donc du coup. Leon, help! Oh, putain la voix, con. Did you send out those invitations? I told you no more than 50 people. Leon, now. Leon, now. Mm-hmm. Ok. Je sais plus où c'est qu'il y avait ça à l'époque. Des sortes de figurines sur les capsules. Des bouteilles et tout. Mais je crois qu'il y avait, une époque où on avait ça, ouais. Mais je sais plus de quelle époque ça date, hein. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. What are you buying? What are you buying? What are you selling? What are you selling? Ah, franchement, il est trop fort, ce personnage. Non, mais... What are you buying? What are you buying? Putain, j'ai cru que j'étais trompé. J'ai cru que je m'étais trompé. Est-ce qu'on augmente le flingue ou... Come back anytime. C'est bon, on a quand même 54 000. Hein. 51 000. 51 000. Là. Ça, on l'avait eu, hein. On l'avait pas eu? Ah, d'accord. Il y a d'autres endroits où on peut aller. Parce que... Attendez. Là, on est allé tout droit. Tout droit, bon, c'est le truc bizarre.
Ah, d'accord, l'escalier, d'accord, c'est en haut. C'est en haut. What are you Ouais. buying? C'est celui-là que j'ai, je crois. C'est ça, ouais. On va Is augmenter la that all, puissance. stranger? Is that... Thank you. Voilà. What are you selling? Bon, je sais pas si c'est très intéressant, mais bon. Is that all, stranger? Thank you. Is that all? Thank you. What are you buying? What are you buying? What are we buying? Is that all? Thank you. Bon. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on avait dit? Il faut aller en haut ou en bas ou à droite ou. Faut aller tout droit à droite. Mais c'est immense. Mais non. Il y avait un autre chemin en fait. M. Ah, c'est le marchand. M, M. Bon, j'imagine qu'on va devoir aller tout droit, non? Parce que sinon, ce serait un petit peu bizarre qu'ils aient fait des chemins pour rien. Et on va sauvegarder quand même. Hein. On va sauvegarder parce que là, j'ai pas envie de refaire ce qu'on vient de faire. Même si on n'a rien fait. 11 minutes dans le vent, ça serait con. Mais merde, j'ai loupé l'escalier comme un con. Ah, c'est fermé. Bon bah voilà. Bon bah voilà, ça règle nos problèmes. Oula. Oulala, il va se transformer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça sent pas très très bon. Ashley! Don't worry, Ashley. I'm coming for you. I'm coming for you. Oh, je me suis trompé. I'm coming for you. Ah bah, on re-sauvegarde. C'est pas mal ça comme blague en anglais, je pense. Bon, je suppose qu'il y ait. Bon, je sais pas si les Anglais aiment ce genre de blague, mais. Si vous voulez aller sauver une fille, I'm coming for you, c'est pas mal. Salazar, how'd you. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. In another life. Oula. J'ai remis bien le micro parce que j'ai foutu un pet dedans. Ah. Voilà. Syllabellu. Ah, et donc c'est là où il faut trouver un autre chemin. D'accord. Bah c'est là en fait. L'autre chemin n'était pas très très loin. Le micro remonte tout seul. De l'argent, une grenade, on s'en fout. Grenade aveuglante. Pour aveugler les ennemis. Ah bah c'est les égouts. Il a laissé le. Comment il s'appelait déjà? Le monstre de FF7 dans les égouts. Putain, ça pue du cul. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment j'ai flippé ma race? Comment? On va couper le son, je crois. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un truc qui a fait pouf 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 pouf. Oh putain, me dites pas que c'est les. C'est les bidules.
C'est des... comment ils s'appellent? Des liqueurs. Attendez, comment on fait pour baisser le son? On va baisser le son. Bon, il était là. Ok, on va le mettre là. Je pense que ça sera parfait comme ça. Voilà. Oh putain. What? J'y vois que dalle. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça serait des liqueurs... liqueurs fantômes? C'est pas dans Five que je vois. Est-ce que ça va là-dedans? Pas sûr, on va voir. Donc il y a des choses bizarres qui nous attaquent. Ok. Ok. Ok, d'accord. Oh la vache! Il monte aux échelles en plus! Saloperie là. C'est bon. Ah, c'est pas bon. Si. Si. Okay. On est passé de Resident Evil à Silent Hill. C'est un petit peu plus flippant quand même. Bon. Attendez, j'ai juste remonté un petit peu le son. Je l'ai pas coupé complètement, mais... Voilà. On est bien, là. C'est des monstres avec le... avec des yeux qui ressemblent au masque de... Comment il s'appelle? C'est un t-shirt de Splinter Cell, quoi. C'est des monstres agents secrets. Ou peut-être que c'est Sam Fisher qui s'est transformé en monstre. Ce qui est possible. Pictomo Shinai. Donc la porte est rouillée, elle ne bouge pas. Ah, peut-être qu'on peut donner... Je ne sais pas. Non, mais de toute façon, peut-être qu'on peut pas aller dedans, en fait. Non, à mon avis, c'est peut-être par là où il faut aller, donc on va d'abord aller de l'autre côté pour voir. Peut-être pas, en fait. Ah. Une grenade incendiaire. D'accord, donc il faut aller en bas. Il y a de l'eau, donc on doit enlever l'eau. On sait jamais, hein. Parce que quand il y a des items comme ça à côté, moi je vous dis, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, est-ce que je peux créer un truc? Oui. On va créer avec ça. D'accord. C'est éteinte. J'ai dit avec ça. Et elle a compris son nom. Madame qui vient d'Amazon. Mais je ne t'avais pas appelé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est les mémos de Louis. Ok, donc c'est un insecte, ouais. Mmh.
Ok, bon. Bon, j'avoue que voilà. Vu que je connais rien du tout à Resident Evil, à part qu'il y a eu un virus, moi je crois, dans le 1, j'avoue que j'ai pas trop essayé quand même de m'intéresser. Enfin, j'aimerais bien m'intéresser un petit peu plus à l'histoire, même si bon, ça a pas l'air très très folichon. Mais c'est vrai que, voilà, vu que. Faudrait que je commence par le 1 pour m'intéresser peut-être un petit peu plus à l'histoire, je pense. Donc bon. On verra ça quand on fera le 1, je pense. Pas de serpent ici. Bizarre ça. Ah mais merde. Et ça c'est l'arme. Ok. Bon. Ok. Bon bah on va la combiner. Attendez. On va la combiner. Putain mais je suis con. J'aurais pu faire des trucs mais c'est pas grave. On va l'acheter. Non, on va pas l'acheter. On va jeter une grenade. Putain, ouais, j'aurais dû utiliser le truc jaune. Avec le rouge et le vert. J'ai été bête. Merveilleux! L'ours s'en va. Quelle énigme! Mais bon, on va pas essayer de trop dire ça parce que si ça se trouve, on va se retrouver avec une énigme de malade juste après. Encore! Sam Fisher! Meurs! Sam! Ah, Sam va disparaître. Et ça, du coup, on peut le péter? Impression. Maintenant. Malheureusement, on ne peut pas péter les ampoules. Parce que c'est assez stressant le bruit qu'ils font ces ennemis. Des bruits chelous. Je parais dans Dark Souls maintenant. Ah, ça c'est bien ça. Très bien. Voilà. Parfait. Je sais pas si on aura une plus grosse caisse encore. Une grosse malle. Ah, c'est ça, c'est Dark Souls. Enfin, Dark Souls n'existait pas encore évidemment, mais. Et donc, Dark Souls a copié Resident Evil 4 en fait. Ça devrait pas être très dur. Ça vaut mieux dire ça après le passé, je pense. Facile. Trop facile. Déjà fini? Oh, c'était pas si long que ça en fait les égouts. Je m'attendais à pire, franchement. Je m'attendais à pire. Mais non, non, je voulais pas ça. C'est quoi le truc à côté là, Spinel? Et putain. Vas-y, Tisa, hop. Ça t'es content. Fais boucher. C'est pas où on était tout à l'heure?
Holy les yeux. Ah, je peux pas y aller, hein. On est bien d'accord. Est-ce qu'on y va? On peut les tuer. Attendez, si on tombe. Ayesta. Bon, vu que c'est très Ayesta, bah. Ayesta, quoi. Ils vont venir ou pas? Mais what? En fait, ils se sont barrés. Oh. D'accord. C'est spécial. Très spécial. Ah, il y a le marchand. Ah, c'est là où on était tout à l'heure. Ah non, même pas. Pourtant. D'accord, c'était pour le coffre. Oh. J'en ai déjà un, on l'a même pas rempli de ses joyaux. Ok, d'accord. Donc on a réussi à ouvrir maintenant. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire, le flanquini. On s'en fout, ça a dû ouvrir la porte. C'est ça? C'est ça. Welcome. Welcome. Got some rare things on this. What are you buying? What are you buying? Come back anytime. Il est où l'autre? Parce que j'ai entendu faire un drôle de bruit. Ah, il est là. Ça va? Il y a des yeux chelous. Ah! Il avait des yeux chelous. Maintenant, il a un alien chelou sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des boyaux sûrement, ou je sais pas, les organes d'une défunte. Espérant que ça soit pas achevé, mais bon. J'imagine que non. Du coup, maintenant, on va pouvoir aller à la porte rouge. Porte rouge. Pour une herbe rouge. Bon, on va l'utiliser. Enfin, on va l'utiliser. On va la combiner. Comme ça, on pourra reprendre un autre truc jaune. Je crois qu'on va prendre un truc jaune, ouais, d'ailleurs, parce que bon, ça sert à rien, je veux dire, de toute façon, on a tellement de trucs de soins, autant augmenter notre vie dès maintenant. Avant, il y avait Los Illuminados. Ils ont commis un crime. Ouais. Mais quel con, il faut que je change d'arme. C'est vrai que j'avais pris cette arme pour tout à l'heure, mais au final... Attendez, le message du boulot. Oh, j'ai le message du boulot. Hmm.
japonais aiment bien envoyer des messages. Les messages du boulot. En plus, il y en a qui vont partir pour la première fois en Europe, en voyage d'affaires. Donc ça, c'est quelque chose. Mais non, j'ai dit ça, j'ai pas dit Alexa. Ah, c'est bon. Donc voilà, c'est vrai que ça les excite un petit peu hein, de partir comme ça en voyage d'affaires pour la première fois de leur vie en Europe. Donc, là il va pleuvoir tout ce week-end malheureusement. C'est vrai que c'est pas très bien le week-end quand il pleut. Un petit peu mieux quand il fait soleil, mais bon. Ok, bon, continue. Let's go, comme dirait notre ami Mario. Let's go. Ah, il a une clé. Ah, c'est nouveau ça. Des flèches de feu. Un baril de feu. Est-ce que ça va péter le mur? Molil. Donc je ne sais pas qui c'est mourir. J'arrête pas de dire mourir, est-ce mourir? Mais qui est mourir? Ah d'accord. On a l'impression qu'il a une armure de plaque, Léon. Genre la flèche, enfin le carreau plutôt, se plante dans le dos, mais vu qu'il a une armure, bah elle tombe par terre. Il est où Molly Lesbiu là? Ils doivent être là. Molly Lesbiu. Molly Lesbiu. On peut l'avoir d'ici. Ah, il a un masque. Il se protège. Pas très longtemps. Bah, je crois qu'on peut pas aller autre part. Hein. Il faut aller par là. Ah, il y a Molil. Molil. C'est toi, Molil. C'est énorme. Je pensais qu'il allait dévaler un petit peu plus ses escaliers. Mais... ça aurait été marrant. La photo d'une madame. Bonjour madame. Ah,
On maltraite les portes quand même dans le jeu, c'est un truc de fou. Les portes n'ont rien demandé, elles se prennent des coups de pied. Hop, hop. Merde. De toute façon, je pense qu'on pouvait pas l'avoir, le rouge. Sinon, ça serait trop simple. On doit sûrement arriver dans une salle. Je suppose qu'on le tuera là-bas. Il y a une porte blindée. Oh putain, il y avait un... Mais what ? Il était revenu. Une blague. Il était parti, il est revenu. Ok, donc il faut la clé que le mec a autour du cou. D'accord. Oh, c'est peut-être là qu'on va le tuer en fait. C'est peut-être là. Ah, ça va être là. D'accord. Attendez, il est parti à droite, il va popper où ? En bas. C'est ça, hein ? Sauf qu'il apparaît pas encore en bas. Ah. Je crois qu'il est mort. Avec la clé qui reste dans les airs en plus. Ça fait très fantasmagorique. Je sais pas si on dit fantasmagorique. C'est un petit peu bizarre quand même. J'ai pensé au jeu fantasmagorique. Gabriel Knight. Bon, bah on a bien avancé. Et du coup, c'est vrai qu'on a tué... Oh putain, une énigme. On a tué le gros, là. Enfin, le grand, plutôt. Je me disais... Je pensais que ça allait être un petit peu peut-être le boss de fin, mais pas du tout. Donc j'avoue que... Je pense pas non plus que ça sera le petit, quand même, le boss de fin. Ça sera un petit peu bizarre. Je sais pas, il y a pas trop de charisme. Alors. Donc il y a 6 personnes. Enfin, 6 personnes. 6 personnes qui ont été sacrifiées. Et la vérité, le chemin de la vérité va s'ouvrir grâce à ces 6 personnes. Ça fait quoi les Switch ? Ah d'accord. Donc il faut qu'il y ait 6 personnes, c'est ça ? 6 personnes. Là ça fait quoi ? Ça fait 4 et 3, 7. En fait, il faut plein de têtes de 1. C'est ça. Ok, je crois qu'on a fait le nombre maximal. Presque. Pas du tout ça qu'il faut faire. Là, on est à... Ben, on est à 6. Attendez, 2. Ben, on est à 6, là. Putain, mais le con. Je crois que je l'avais en plus tout à l'heure. Saint-Lazare. What a pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, Mr. Kennedy. But I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Get rid of our American friend.
dans les moments comme ça, on se dit, c'est peut-être bien de jouer avec notre difficulté. Putain, parce que là, les balles qu'on doit utiliser. Les arbalétriers. Il est où l'autre? Il est parti? Bah, ils étaient pas deux? Yo, j'en ai marre, hein, les mecs, arrêtez de bouger là. Vous êtes où, putain? Et il est où? Il est sous le mont, quoi. Il est où? Il est là. Le mec, il a sa tête qui part en arrière. C'est trop fort, quoi. Oh, c'est trop fort. J'adore. Ah, franchement, c'est énorme. C'était énorme. Il y en a encore un autre là-bas. Ah, lui aussi. En plus, c'est bien parce que la caméra nous a bien montré la tête qui pend en arrière, quoi. Mais oui, il va. Ça va? Oui, il va. Tu peux revenir? Ah merde, il y avait une... Ah, c'est gore. Waouh. On dirait que ça sort de sa bouche. Alors que pas du tout, hein, comme là, on peut le voir. C'est bien la tête qui est... part en arrière. Attends, je vais remettre un petit peu le son. Un petit peu plus fort. Le son. Voilà. J'ai peut-être mis trop fort. Ah, mais bon, ça ira pour le moment, je pense. Allez, on va vite. On est des oufos. Y a pas d'autre endroit où on peut aller. Y a ça. Parce que là on n'y est pas allé, hein. Ok. Un switch. Sosa Dekinai. Apparemment c'est bloqué. On peut pas l'activer. Je fais comment pour atteindre le coffre? Donc ça c'est fermé, on est d'accord. Ah, pas du tout. 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 Bon, ça va au niveau des balles. Encore des balles? Ah non. Ah ah. Non plus. Non plus. Non, là j'avoue que je sais pas. Parce que
Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas sauter. Hein. Est-ce qu'il va y avoir une passerelle ? Peut-être de l'autre côté, parce que de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a... comme une sorte de petit truc, là. Donc, ouais, je sais pas. Ouais, on verra. On verra. Peut-être qu'il y aura une passerelle, je sais pas du tout. Peut-être que ça vient de l'eau. Ah, attendez. Si on va voir l'autre switch maintenant, est-ce qu'on peut l'activer? Ah, d'accord. Tu vois, s'il fallait le faire dans l'ordre. Ok, d'accord. Ah putain, mais c'est de l'autre côté. Ok. Putain, on est obligé. Ah, ah. C'était pas dans la grande salle où il fallait mettre justement un truc comme ça. Un buste de... d'animal. Putain, on vient de loin. Et donc là, what? On est là, d'accord. Donc là, ok, ça c'est la salle de l'énigme. Maintenant on va monter, on va aller derrière la grille. Oh putain, je me trompe. Ça fait mal au crâne le casque, même quand on a un casque bien rembourré au niveau de la du serre-tête, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, ça fait quand même un petit peu mal. Faudrait que je m'achète un casque qui masse le crâne. Ce serait pas mal ça. Des munitions. On va où? À gauche ou à droite? À gauche, c'est la voie du cœur. À droite, c'est la voie où on ne peut pas aller. On dirait. Ça fait mal un petit peu à la jambe, je pense. Quand on s'appelle pas Sandy. Ouais, on va quand même reprendre notre flingue. Parce qu'on l'a amélioré en plus, donc bon. J'ai envie de dire, on n'a pas fait ça pour rien.
D'accord. C'est des corbeaux. Ce qui est pas logique en même temps, vu que c'est des pies en principe qui chopent les trucs brillants. Ah d'accord, donc il faudra revenir avec Ashley pour ouvrir la porte. Oh les serpents. Non, non. C'est bizarre qu'il y ait autant de tonneaux. Tonneaux explosifs peut-être. J'ai l'impression que c'est ça en plus. J'ai l'impression que c'est des tonneaux explosifs. Peut-être que je me trompe mais... Ocarina of Time. La princesse! Elle est là! Ah, c'est ça, elle est là. Ah! C'est qui déjà? Rebecca? Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Try using knives next time. Works better for close encounters. Est-ce que c'est la première fois qu'ils se rencontrent, ces deux personnages? J'ai l'impression que oui. Ah non. Si? Long time no see. Ah non, ils se connaissent. Ada. C'est Ada. So ah oui, c'est Ada Wong. Oui. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Je travaille avec Wesker. See you around. Ada. OK. Oh, peut-être qu'on a fini chapitre 3. Possible. Ah non, on va arriver au 3-3, d'accord, d'accord. On va finir le chapitre 3. Ada, je pensais que c'était une gentille. Enfin, je sais pas du coup. Ah, c'est pour ça. Oh, putain, mais il y a encore un marchand. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Puis au final, Wesker, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Enfin, j'ai l'impression que c'est pas lui. Donc, ouais, j'avoue que là, au niveau de l'histoire. Ouais, apparemment, il cherche le sample. Ok. Welcome. Welcome. Je sais pas s'il va avoir encore des nouvelles armes. Things on sale, stranger. What are you buying? On va... Is that all? Thank you. Qu'est-ce qu'on fait? C'est bon, j'aimerais bien, je sais pas. J'aimerais bien augmenter le magnum aussi, mais est-ce qu'on va vraiment l'utiliser? Parce que je sais pas quand est la fin du jeu au final. Donc ça se trouve, on l'utilisera jamais avant la fin. Il y a une grande chance. Il y a un truc là. De l'argent, de l'argent. De l'argent. Un lit. Il y a un vase là. Non, on
On était allé voir ça tout à l'heure. Les munitions. Une machine à écrire. Là-bas, il y a une porte. Non, j'ai pas l'impression que ce soit une porte en fait. Ah si, c'est une porte. J'ai cru que c'était un élément du décor. Comme quoi, quand on est dans le doute... Merde. Merde, de l'autre côté, c'était un cul-de-sac. Peut-être qu'il y avait un truc du coup. Ben bon, je veux dire, même s'il y a un truc, de toute façon, on est full, mais... Ah non, il y avait rien. Bon, bah tant pis. Hein. C'est bizarre qu'il y ait personne dans les jardins. Attendez, on est le combien aujourd'hui? On est le 24, ouais. Ouais, il faut pas tarder à le finir, le jeu, parce que je crois que c'est la semaine prochaine, du coup, qu'il va s'en aller. C'est vendredi prochain, en fait. C'est le 31. Je pense. Je suis pas sûr, mais à mon avis, ça doit être le 31. Je pense pas non plus qu'il va durer 30 heures. L'audio crache un petit peu parfois. Le fameux piège de Agnesta. Oh non, pas lui. Oh non, pas lui. Attendez. On va peut-être cramer avec lui, mais bon. D'accord, on peut sortir. Rache, ça va Vega? Ouais. Non, j'avoue, je suis content de faire le jeu dans ce mode-là parce que... Hein? Ça m'aurait un petit peu fait chier de faire le jeu en mode... mode normal, je pense. Ça aurait été trop chiant. Non, franchement, ouais, ça aurait été trop chiant. De la plante et d'utiliser. Non. Et du coup, elle a disparu. Comme on dit si bien, par l'opération du Saint-Esprit. Eh oui. Oh putain, des balles de Magnum, quoi.
Des balles de magnum. Ah, ça c'est là où on pouvait aller, mais où on n'est pas allé. Ok, de l'argent. Des bruits bizarres aussi. Au niveau de la map, où en est-on? On était déjà venu ici. Attendez. Voilà. Du coup, on va rien faire. On va prendre un truc. Et voilà. Mais vous avez vu, putain, j'ai attaqué parce que je me suis dit, on sait jamais s'il y a un serpent qui rôde. Et pourtant, ça l'a pas touché. Donc en fait, on peut pas toucher les serpents comme ça. Il faut qu'ils bougent. Et ensuite, on peut les toucher, j'ai l'impression. C'est pas très sympa, ça, monsieur serpent. Ah, d'accord, on revient là. D'accord. Ah. C'est un élément du décor. Après le poulet, il y a le dessert. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc le vin, c'est après le dessert. Pourquoi pas? En France, c'est plutôt pendant tout le repas, je pense. Et ça, c'est une autre histoire. Plutôt que le pain, le poulet. On voit que c'est des japonais. C'était juste pour nous dire de tirer sur le vin. Bon, je vois pas trop en quoi c'était utile vu que le vin de toute façon brillait sur le tableau. C'est assez bizarre. Ah. La porte est fermée. Ça a l'air d'être un endroit bizarre, dis donc, par ici. Qu'est-ce qui va se passer encore? Chronomètre. Non, pas de chronomètre. Ici, on est bloqué. Oh! Oh! Un lance-roquette. Un lance-roquette gratuit, dis donc. J'ai entendu. C'est gore quand même, putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Mais c'est alien! Au secours! Vite! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un nouveau type.
type d'alien. Ouais, c'est ça. Capcom, ils ont dû trop regarder Alien, ils se sont dit putain, mais c'est super. Comment on appelle ça, des snuggers, je crois. Des machins qui s'approchent à la figure et qui pondent des œufs dans la bouche. Bon appétit, bien sûr. On va recréer. Voilà. Oui, du coup, est-ce qu'on pouvait aller à droite? C'est tout droit, je sais plus. Bah non, non. Non, on pouvait pas. Je suppose que là, c'est pareil. Pas du tout. Pas du tout. Bon, lance-roquette, j'avoue que... ça pourrait être sympa, mais voilà. J'ai pas la place. Vu qu'en plus, il n'y a qu'une roquette. C'est pas... ouais, c'est pas super super intéressant. J'imagine si on joue en normal, c'est vrai que ça peut être super intéressant parce que, à mon avis, je sais pas si ça tue un boss en un coup. Peut-être possible. Je pense quand même que le Magnum est plus puissant que le lance-roquette. Ben, ça reste à vérifier, hein, parce que bon, je connais pas du tout le jeu, donc... on va pouvoir sauvegarder. Merveilleux. Putain, il est 9h30 quand même, vache. Ouais, vu que ça fait 1h10. Leon, I got it. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Scorpion. Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Lewis. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. Don't talk. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lewis! Lewis! En même temps, le mec, il vient de se faire, mais... perforer la cage thoracique, enfin voilà, don't talk. Tu ne vas pas mourir! Tiens le coup! Il a perdu la moitié de son corps quand même. Ah, fini. Ah putain, il y a un 3-4. Ça n'en finit plus, dis donc. Ça n'en finit plus. Oula! Hein? Putain, c'est chelou, la caméra a changé. Il y a des bruits bizarres d'une fille. Va te venger, Louis. Oh putain, il y a l'icône d'Ashley qui est revenue. Non, franchement, ils ont abusé au niveau des bruits. Hein. Putain, mais les mecs... foutez pas des bruits comme ça, franchement. On n'est pas dans un jeu érotique. Hein. Elle est en bas. D'accord, elle est en bas. On va aller là. Ah. Évidemment. Rare
things on stage. What are you buying? Une nouvelle arme. Not enough ah non, cash, énorme. Stranger. Not enough cash. Have enough cash. What are you selling? Il est très méchant. Ah. Thank you. Ah. Thank you. Oh putain, j'ai 9. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Ok, et les autres, il faut les mettre dans quoi? Il faut mettre quoi dans quoi? Oui. Ça? Ok. Et ça? Ça, on peut le mettre dans quelque chose. Ok. What are you selling? Est-ce que j'ai tout mis là? Ah. Thank you. What are you buying? Is that all? Thank you. Oh putain. Ah non. Ah non, j'ai cru qu'il avait encore un autre flingue. Non, c'est toujours le même. Ok. Là c'est bon, on a une grosse mallette quand même. C'est bien. Ça fait plaisir, franchement. Bien, ouais. Oh putain. Bon, c'est pas grave, on vient de sauvegarder, mais... Attendez, c'est là d'où on vient, hein? Il était là, lui. Pourquoi pas, hein. Après tout, c'est un jeu vidéo. C'est normal si on ne peut pas tout expliquer. Mon Dieu, les Japonais. Alors on va mettre une jolie jeune fille. Elle sera blanche, elle sera blonde. Et on va l'attacher. Ah oui, on va l'attacher. Et puis là, on aura le personnage qui va se rapprocher de la fille attachée. Oh, et il va se passer des choses. Et elle poussera des petits cris. Oh, ça sera merveilleux. Ah là là. Par où on passe là du coup? Oh putain. Au secours! On peut sauter par là? Chut! Attendez, j'ai pas de devoir faire tout à l'envers quand même. Si. J'ai l'impression que si. On va revérifier quand même, mais... Malheureusement, j'en ai bien peur. Alors, je sais pas, peut-être qu'on peut tirer. Oh putain, c'est ça? Genre... C'était ça? Talk about near death experience. Ashley, get out of there! Go ahead, son. Go ahead, son. Mais what?
Heureusement que j'ai visé tirer. Heureusement. Il va lui falloir la clé, c'est énorme. Non, j'arrive. Il est mort l'autre du coup. Cachelet. Je comprends maintenant pourquoi on doit pouvoir augmenter sa vie. Arme, sourire divin. Non. On peut l'étrangler. Ah non. On peut lui donner un coup de pied. J'ai pas l'impression qu'elle puisse faire les attaques. Mais c'est une blague. On va vraiment jouer avec elle. Putain, mais les angles de caméra. Il va mourir. Ah, il est mort. Ça, j'avoue, par contre, je m'attendais pas à jouer avec avec Ashley. Ah, peut-être passer par là. On pouvait passer par là. Regardez, okay, il nous a même pas vu. Pas lui écraser la tête. En même temps, bon, c'est vrai que c'est une jeune fille, si elle avait pu lui écraser la tête, ça aurait fait Rambo, ou plutôt Xena. Xena la guerrière. Elle n'est pas non plus en sandales, donc ça aurait peut-être possible. On est où là? Putain, on est où là? Oh, une herbe rouge. Un dur diem, il y a deux portes. Sort une lampe torche de je ne sais pas où, mais en tout cas elle la sort.
Un truc. Un bouton. J'espère qu'on va pas jouer 10 ans avec elle, hein, parce que ça commence à faire peur, hein, toutes ces herbes et tout. C'est une énigme. Ouh. Une énigme. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. C'est une énigme pas trop dure. Pas trop dure, pas c'est bon. Des énigmes faciles. Ah, j'aime pas trop la musique. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Je le sens mal. Je le sens mal. Je le sens mal. Ah. Ça va ? Dark Souls. Ah, c'est la pièce de tout à l'heure. Oh, je déteste ça. Oh, je déteste ça. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Je déteste ces puzzles. Au milieu, je sais même pas ce qui... je sais même pas ce que c'est. Il y a pas de milieu en fait. On l'a pas le milieu, je crois. Ça doit être ça. Si le milieu, il doit être là, c'est ça. Attendez, mais j'y comprends rien. Faut pas se fier en fait aux plaques du dessous. D'accord, faut pas se fier aux plaques du dessous. Donc j'imagine ça, ça doit aller en haut déjà. Ça va pas aller en haut. Oh mon Dieu, non! Ça, ça doit aller en bas. Ça doit aller au milieu. Ça va... Okay. Ça va tout en haut. Ah, c'est horrible, je déteste ce puzzle. Et lui, il va en bas, ouais. Mon Dieu. Vas-y, ça. Sauf que toi, tu vas en haut. On s'en rapproche. On s'en rapproche. Merde.
merde, 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 merde. On s'en rapproche, ouais, mais il y a toujours de plaques qui font chier. Bon. Bon. Je crois que ça... Non, c'est pas non plus un truc qui peut prendre 10 heures, mais... Quoi qu'on sait jamais, hein. Mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai juste le puzzle. Je ferai le puzzle, je pense, hors vidéo. Parce que bon, ça peut prendre un petit peu de temps. Et c'est pas forcément intéressant de voir un mec faire ça pendant 10-20 minutes. Donc je reprendrai d'ici avec le puzzle fait. Et... on continuera donc Resident Evil 4. J'espère qu'on se rapproche petit à petit de la fin quand même, parce que ça fait un petit peu peur. Mais bon. Je garde espoir. Je garde espoir. Sur ce, je vous dis, passez du bon temps. Et amusez-vous bien. À la prochaine.